Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de votre fidélité et toujours renouvelée au programme du groupe du Liban. Nous vous souhaitons ainsi à toutes et à tous la bienvenue à bord de ce train littéraire. Vous le savez, le train littéraire est un espace de rencontre qui a été initié par l'espace La Gare en partenariat justement avec son partenaire de longue date. Il s'agit de Multicanal, de Canal Plus, j'allais dire. Alors, nous recevons, comme d'habitude, à bord du train, un auteur autour de son ouvrage pour essayer de mieux comprendre ce que les auteurs font dans les différents ouvrages. Et aujourd'hui, nous avons un éminent professeur. Voilà, il est aussi un excellent enquêteur. Il s'agit de M. Mohamed Diarra. M. Diarra, bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous? Je vais très bien. Bienvenue. Oui, merci. Merci. Nous vous souhaitons à vous aussi la bienvenue à bord de ce train. Et nous osons croire que nous allons passer de bons voyages ensemble. Merci. Nous allons donc aller à votre rencontre, M. Diarra, si vous nous permettez. Oui, oui. M. Diarra est bibliothécaire documentaliste de formation. Natif de Sikasso, il est titulaire d'un DEA en bibliographie à l'Université de la Culture de la Biélorussie et d'un doctorat en sciences de l'information et de la communication à l'Université Grenoble-Alpes. Il a successivement travaillé comme bibliothécaire documentaliste au Centre régional de recherche agronomique de Nyonon, à la Direction générale de l'Institut d'économie rurale IER, au Centre du secteur privé et à la Maison de la presse. M. Diarra est enseignant à la filière métier du livre, des archives et de la documentation de l'Institut universitaire de technologie UIT et à l'école supérieure de journalisme et des sciences de la communication de Bamako. Il est poète et romancier. M. Diarra est entre autres l'auteur de plusieurs ouvrages, notamment Le mystère du tournant, La fille adoptive du shérif, Meurtre sous le pont des indigents, et j'en oublie volontiers. Il a été plusieurs fois justement lauréat de la rentrée littéraire du Mali. Il a animé plusieurs ateliers d'écriture à l'intention des élèves et des étudiants de plusieurs établissements. Monsieur Diarra, est-ce que vous reconnaissez dans cette bibliographie, biographie, j'allais dire? Ok, merci. Bonsoir à tout le monde. Merci pour avoir fait le déplacement. Je me reconnais entièrement dans cette biographie. Très bien. Rien n'a été omis. Ok, voilà. Alors il y a en tout cas un beau public qui est sorti cet après-midi pour venir vous soutenir. Un mot à l'endroit de ce public. C'est juste un mot de remerciement. Je suis ému, bien évidemment, de recevoir ce charmant public et surtout mes anciens étudiants, ceux qui m'ont toujours accompagné dans le cadre des mouvements littéraires, Gelma, Mepla, entre autres. Okay. Donc, merci à tout le monde d'avoir fait le déplacement. C'est à nous de vous remercier, en tout cas pour avoir accepté cette invitation au nom de la littérature. Nous vous remercions infiniment. Merci. Alors, je rappelle que vous avez travaillé sur l'ouvrage intitulé « Un corps dans un lieu de marigots ». C'est votre troisième ouvrage qui porte sur, en tout cas, une enquête, si je ne m'abuse. Et je pense que vous n'êtes pas le premier à pouvoir faire des enquêtes, sinon à entreprendre ce projet, notamment l'écriture des romans policiers. Vous venez à la suite de Feu Moussa Konaté. Est-ce que il y avait un rapport de son vivant entre vous et M. Konaté, ou est-ce que l'écriture de M. Konaté vous a n'est-ce pas inspiré à aller vers l'écriture des romans policiers, M. Diarra? Merci pour la question. Je n'ai pas eu de contact de son vivant avec M. Moussa Konaté, sauf que je l'ai vu à distance dans le cadre des rencontres étonnants voyageurs. Okay. Voilà, donc je l'ai lu, mais ce n'est pas explicitement lui qui m'a influencé. Notamment, c'est beaucoup plus les films policiers. Les films de l'inspecteur Derrick, ensuite Commissaire Catani, entre autres. Mais j'ai beaucoup lu Fred Vargas, okay. Voilà, qui m'a beaucoup influencé dans le cadre du roman policier. Okay. Voilà. Alors, dans ma lecture, j'ai en tout cas vu que cet ouvrage est venu à la suite de deux autres ouvrages qui portent aussi, ont la marque, n'est-ce pas, de ce roman, justement les romans policiers. Je pense que vous aviez écrit en 2015 Le mystère du tournant, dont je citais tantôt dans la bibliographie, c'était en 2015, mais aussi vous avez écrit Meurtre sous le pont des indigents. Alors, je pense que c'est le même acteur, si je ne m'abuse, c'est le même personnage principal qui est là. Est-ce que nous pouvons dire aujourd'hui que un corps
corps dans un lit de Marigot peut être considéré comme étant la suite d'une trilogie qui avait commencé déjà avec l'écriture de roman intitulé Le mystère du tournant. La trilogie a déjà pris fin parce qu'il y a Le mystère du tournant, La fille adoptive du shérif et Meurt sous le pont des indigents qui ont été écrits sous la houlette du commissaire Tchagalin. C'est Tchagalin qui a mené les enquêtes dans ces trois romans qui constituent une trilogie. Ensuite, il y a l'inspecteur Marouf qui travaillait sous la coupole du commissaire Tchagalin en tant qu'inspecteur principal enquêteur, qui va grandir et devenir à son tour commissaire. Et commissaire Tchagalin va à la retraite et Marouf prend la relève. Donc c'est le premier de la trilogie de Marouf qui va suivre. Ok, alors vous parlez tout à l'heure des personnages, vous aviez parlé tantôt de l'inspecteur, le commissaire effectivement Marouf, qui a séjourné au compte du commissariat du 18e arrondissement, par la suite il a été nommé compole au compte du commissariat du 20e arrondissement. Vous aviez aussi parlé de son mentor, moi j'avais cru que c'était Séguélin. Voilà, c'est cette lecture-là que j'avais faite de la chose. Alors, j'avais même fait en fait une comparaison entre le nom Séguélin et cette maladie qui existe en tout cas, qui avait été en son temps combattue, n'est-ce pas, par l'ancien président de la République, feu Amadou Toumani Touré en son temps. J'avais fait cette confusion-là. Alors, parlez-nous un peu du personnage, de ce personnage Marouf. Marouf, il a beaucoup travaillé à l'ombre du commissaire Tchagalin en tant qu'inspecteur principal sur les enquêtes que le commissariat du 20e a menées, notamment l'affaire des passeports triqués, entre autres. C'est un jeune détective alors qui a eu beaucoup d'expérience à travers cette collaboration et qui a mené beaucoup d'enquêtes. Et raison pour laquelle, d'ailleurs, lorsque je présente un personnage, je parle des affaires qui ont abouti et quelques-unes des affaires qui sont restées, comme je le dis dans le roman, une arête de poisson. Voilà, ou une écharde, etc. Yeah. Donc le commissaire Marouf, cette fois-ci, est le principal dynamique. Il s'est coincé entre griffes les malfrats, comme il en avait l'habitude. On dirait un don qu'il a. Il suffit tout simplement qu'il regarde la personne, qu'il pose quelques questions et on peut deviner la suite déjà de la conversation. D'accord. Voilà. Ok. Alors, vous parliez tantôt de ces différents personnages. J'ai en tout cas relevé Marouf, le commissaire Sidia, l'inspectrice Sadio, Boniface, il y a d'autres, sans compter les malfrats, le serpent, mais aussi Djélé. Je pense qu'on va en venir. Alors, vous savez, vous parlez tantôt aussi de ces portraits que vous faites sur, en tout cas, les différents personnages. Moi, j'ai découvert, à travers vous, un grand portraitiste. Vous faites, la façon dont vous écrivez ces personnages, je pense que, la description sort du commun. Comment vous trouvez vos ressources pour décrire, pour faire le portrait de vos personnages? En fait, c'est une question difficile à répondre. Je me dis tout simplement, c'est la force de l'imagination, tout simplement. Mais de l'autre côté, il arrive que pour décrire un personnage, on sort, on se promène, on voit, on met des visages aux personnages qu'on veut décrire, tout simplement à travers les rencontres qu'on fait. Okay. Voilà, donc lorsqu'on se met à écrire... décrire un personnage, des fois il arrive qu'on lui prête ses propres qualités, ses propres défauts, les défauts des gens qu'on rencontre, entre autres, c'est tout ça qui fait un personnage. D'accord. Ouais. Ok, merci. Nous allons essayer de rendre en tout cas la tâche à ceux-là qui n'ont pas lu l'œuvre, parce que je sais qu'ils sont très nombreux, ceux-là qui n'ont pas lu, mais c'est une œuvre que je vous recommande. Parce que je pense que les jeunes de Gelma sont là. J'ai vu une fois sur, en tout cas, la page de quelqu'un qui nous a recommandé, je ne sais pas si c'était Amadou Yanogé ou bien je ne sais pas si c'était le jeune frère Moribou Touré. En tout cas, il nous recommande de lire ce recueil-là. Il faut vraiment le déguster. Alors, je m'en vais à la page 123. Je pense que là, j'ai trouvé un tout petit peu le résumé pour ceux-là qui n'ont pas encore lu l'ouvrage. Alors, la page 123, qu'est-ce qui est dit ici? Pour ceux qui ont le livre, vous pourrez justement suivre avec moi. La page 123, on va essayer de faire le fil, n'est-ce pas, le récit même de l'ouvrage. Alors, qu'est-ce qui est dit ici? L'officier le remercia
s'enferma aussitôt et mit le climatiseur en marche pour chasser la touffeur. Les yeux mi-clos, il avait l'heure de revoir le film des enquêtes. Donc, vous allez voir que nous allons vous faire le film même du récit. Alors, voilà. La découverte du corps sur le rocher, sec, les photos macabres que les milliers et les journalistes avaient prises sous divers angles de vue, l'épreuve de la reconnaissance du défunt par les siens et leurs auditions, la collecte d'informations sur la fiancée et son copain, les résultats des recherches des opérateurs de téléphonie, les analyses d'images des caméras de vidéosurveillance et enfin l'arrestation des assassins. À travers ce passage, je pense que l'ouvrage même se résume dans ça. Qu'en direz-vous, M. Diarra? Je suis entièrement d'accord avec vous parce que généralement, à la fin de l'enquête, forcément, il faut faire une reconstitution. Le fil des événements. Le fil des événements. Et même si vous ne lisez pas le tout, lorsque vous arrivez à la partie reconstitution, vous pouvez savoir de quoi il s'agit, ce qui a précédé. Voilà, donc je pense que c'est le fil qui a été mis ici. D'accord. Je le disais, hein, c'est une histoire, on va dire, un peu rocambolesque quand on lit l'ouvrage. L'assassinat d'un opérateur économique, un homme d'affaires, un député, un chef de famille. Il avait en tout cas beaucoup de gens, vous l'avez dit, à cette trousse qui pouvaient effectivement vouloir s'en prendre à sa vie. Vous aviez d'abord parlé de son enfant, son premier enfant, je pense, qu'il avait envoyé, en n'était pas à l'étranger pour aller étudier, sauf que cet enfant est devenu un grand jouisseur et donc il a dû oublier les raisons qui l'ont amené à l'étranger pour, n'est-ce pas, disons que le père était un peu dessus de lui et donc il est revenu au pays. Donc, et quand il est revenu, il avait justement des raisons de s'en prendre justement à la vie de son papa, surtout que celui-là l'avait écarté au profit de son frère cadet. Donc cette raison pouvait pousser le frère à assassiner son propre père, donc ce qui paraissait une sorte de parricide, n'est-ce pas? Il y avait aussi son frère cadet qui avait été mêlé avec une histoire d'héritage. Voilà. Je voulais justement savoir jusqu'où les héritages peuvent nous pousser. Moi, je ne comprends pas. Est-ce que réellement, pour un simple héritage, on peut s'en prendre à la vie de quelqu'un? Pensez-vous? C'est fort possible. Même au-delà de l'héritage, hein, c'est comme quand je discute avec les gens, d'aucuns peuvent estimer que les motifs pour lesquels il a été assassiné, ça n'en vaut pas la peine. Mais je dis, qu'est-ce qui peut arriver dans la tête d'un malfrat, dans la tête de quelqu'un qui se sent lésé dans une situation? Quelqu'un qui estime qu'il a été lésé dans le partage d'un héritage peut en avoir gros sur le cœur au point de s'en prendre à celui avec lequel il devait partager cet héritage-là. Donc les questions d'héritage sont tellement intéressantes, importantes que ça amène généralement des dissensions dans les familles, ça apporte la séparation. Et d'ailleurs, ça arrive entre ceux qui sont nés du même ventre, comme on le dit littéralement. Okay. Et au-delà de ça, maintenant, ceux qui sont du même père et des mères différentes, en tout cas, les questions d'héritage sont importantes. Et d'ailleurs, plus tard, dans certains cas, vous avez des enfants naturels qui ne sont pas impliqués dans des histoires d'héritage. Dans certains cas, hein, je ne suis pas le spécialiste de cette thématique. C'est juste que je fais des fenêtres pour toucher des problèmes réels de la société. D'accord. Et je continue. Okay. Voilà. Alors, au-delà de cet aspect d'héritage, hein, je le disais tantôt, il y avait beaucoup de personnes qui pouvaient s'en prendre à la vie de M. Abdul Karim. Il faut le dire, Abdul Karim L. Vous avez voulu en tout cas oui, garder... Oui, L, ça peut être là, ça peut être l'Andouré, ça peut être... J'y ai voilà, pensé donc, aussi, mais... c'est pourquoi L? Oui, L, c'est juste que je ne veux pas donner... un nom de famille. D'accord. Ça pourrait être un Traoré aussi. Hein. Comme un Diarra aussi. Hein. Ok. Merci en tout cas. Et alors, c'est très intéressant. Hein. Alors, quand Boniface, qui est en tout cas un fin connaisseur des outils informatiques, hein, je pense que c'est comme ça que vous le décrirez dans l'ouvrage, et quand il est venu, il a tiré une conclusion tout de suite là, que le meurtre, l'assassinat sinon, pouvait être un assassinat politique ou bien un assassinat économique. Mmh. Alors, moi je voulais, est-ce qu'on ne peut pas aussi ajouter
à ces deux assassinats dont vous, vous faites allusion, l'assassinat aussi passionnel, ce qui m'amène un peu dans l'ouvrage de Jean-Paul Sartre, dans les mains sales, hein, voilà, où on voit Aurore et Hugo, en tout cas, Hugo qui avait été, comment dirais-je, embauché dans le, au sein du parti pour assassiner Aurore, sauf qu'il n'a pas pu le faire, il a fallu qu'il surprenne, n'est-ce pas, sa dulcinée entre les mains de l'autre là pour passer à l'acte. Est-ce que nous ne pouvons pas aussi dire, c'est vrai, on a... Par la suite, on a su quels étaient les assassinats, n'est-ce pas, qui étaient les assassinats, effectivement, d'Abdul Karim. Mais est-ce qu'on ne peut pas aussi ajouter l'assassinat passionnel? Parce que la fille qu'il avait cherchée en mariage, qui était la fille de son ami, avait aussi un ami coup, avec qui il avait des projets. Est-ce que ces derniers aussi ne pouvaient pas s'en prendre, n'est-ce pas, à la vue d'Abdul Karim? Oui, il y a tellement de pistes que la police, chaque fois, fait des rencontres et fait le point des pistes. Donc effectivement, l'assassinat sur fond économique peut s'expliquer par différentes raisons. Parce qu'il était à la tête d'un holding et il peut avoir licencié quelqu'un, ouais, qui trouve qu'il a été abusivement licencié et qu'il pouvait s'en prendre à lui. Ensuite, il pouvait être endetté auprès de quelqu'un et il n'a pas honoré ses engagements. Ce dernier peut aussi lui en vouloir. Ouais. Entre-temps, son holding peut être le concurrent direct d'une autre entreprise. Et là, on peut voir ça d'un mauvais œil. Donc, quand on vient à l'assassinat... Ou même des créanciers qui peuvent voilà, aussi... Voilà, même des créanciers. Quand on vient à l'assassinat politique, il était quand même dans un parti d'opposition. Et voilà, il s'était présenté sous la bannière de ce parti en étant en porte-à-faux avec d'autres barons. Voilà, donc... Les pistes sont tellement nombreuses que finalement, on ne sait pas comment la police va arriver à démêler. D'accord. Mais la police va quand même y arriver, ne serait-ce qu'à travers les caméras de surveillance et tout. Et là, c'est un clin d'œil aussi à mon métier, hein, parce que je suis bibliothécaire, j'utilise les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Donc, je me dis, c'est d'actualité aussi. Si vous vous rappelez mes anciens romans, mes premiers romans, c'est les méthodes rudimentaires. Hein. On interroge les gens. On essaie d'avoir des aveux de leur part et tout. Mais cette fois-ci, puisque les technologies aussi facilitent la chose, vous voyez, au niveau des aéroports et tout, on utilise des technologies. Raison pour laquelle je me suis dit, la police scientifique, ça serait une bonne chose et ça permettrait de débusquer beaucoup de malfrats. Très bien. Raison pour laquelle j'ai fait un clin d'œil vers la technologie. L'information. Alors, vous faites bien de le dire, hein, parce que je le disais tantôt que, en tout cas, j'ai vu en vous personnellement un fin portraitiste. Mais au-delà de cela, vous êtes aussi, vous feriez, hein, en tout cas, un excellent flic. Mais aussi, vous seriez aussi un brillant journaliste, parce que la façon dont vous décrivez les scènes qui se passent, mais aussi, vous faites un lien entre le métier de journaliste, n'est-ce pas, et la police. Alors, on a l'impression que les deux vont ensemble parce que l'inspecteur, le Compol Marouf, c'est quelqu'un, en tout cas, qui aimait beaucoup lire. Hein. Chaque fois, quand il venait au bureau, le premier travail qu'il faisait d'abord, c'est de faire la revue de la presse pour voir un peu l'actualité. Est-ce que vous pourrez nous dire, peut-on dire qu'il y a un lien étroit entre la police et la presse? Oui, il y a un lien étroit entre la police et la presse parce que vous avez les journaux de faits divers. Hein, Kabako, mon ami Amidou, père à son âme, faisait sortir d'Abaliban et tout. Mais les sujets pour ces journaux de faits divers, c'est la police qui les livre. Hein. Alors, au-delà de ça, je pense que c'est l'influence de mon métier de bibliothécaire à la maison de la presse aussi qui m'a amené à m'intéresser au lien entre la police et la presse. Et parce que tous les jours quand je viens, je m'intéresse d'abord aux faits divers du journal L'Essor, de Dico surtout. Okay. Voilà, je lis et ce sont ces faits divers qui constituent matière beaucoup plus pour mes romans policiers. D'accord. Voilà pourquoi je dis la majorité de mes romans sont essentiellement tirés des faits divers. Okay. Voilà. Alors, je disais, vous nous amenez dans l'univers des policiers. Moi, j'ai découvert qu'être policier, c'est un véritable sacerdoce. On n'est pas policier qui le veut. Parce que quand on voit le parcours de Marouf, on a l'impression, surtout lorsqu'il mène les enquêtes, il arrive souvent que Marouf doute même de ses collègues
telle, parce que vous l'avez dit tantôt, les pistes étant nombreuses, on a du mal souvent à faire confiance même à ses propres collègues. Oui, d'ailleurs, c'est ça l'avantage aussi des briefings hebdomadaires que la police tient. C'est pour écouter tout le monde, hein, entendre tout le monde, évaluer la manière dont les gens adhèrent à tel ou tel point de vue. En tout cas, les personnes chargées des dossiers viennent exposer et sous forme de visio-projection. Et chacun réfléchit, chacun donne une orientation en fonction de la manière dont il comprend l'évolution des enquêtes. Donc, raison pour laquelle la police de nos jours, ce n'est pas comme la police d'avant où on pouvait y arriver sans avoir fait des études sérieuses. Tout comme l'armée aussi, on pouvait y arriver avec un bagage amoindri. Et ensuite, on passe tout son temps, on ne grandit jamais, on n'avance pas en grade. Mais de nos jours, il suffit d'avoir le bac, on peut être recruté comme un bon flic. Et surtout quand vous avez une maîtrise et tout, ça devient autre chose. Donc, je pense que l'instruction aussi joue beaucoup dans la qualité des enquêtes que la police mène. Ok. Vous l'avez tantôt rappelé, hein, vous avez parlé aussi du mode de recrutement dans la police et surtout le cas de Khalil, qui était un jeune désœuvré, oui, qui est fils d'un musulman, et finalement son papa, priant dans la même mosquée avec en tout cas un bras long, se confie à ce dernier, et c'est comme ça que Khalil a été récupéré et ensuite intégré au compte de la police. Cette façon d'intégration, est-ce que aujourd'hui, quel est votre regard là-dessus? Parce que nous savons, là, les gens décrivent beaucoup la police, hein, comme étant, ce sont les enfants désœuvrés qui sont dans la rue, qui ne font pratiquement rien, et ce sont eux qu'on ramasse pour, en tout cas, constituer notre police, qui constitue aussi un danger pour la société. Votre regard? Oui, vous avez raison, mais il y a le social aussi qu'il ne faut pas négliger. Hein. Est-ce que le social doit primer, en tout cas, sur les capacités intrinsèques? Ce n'est pas cette société qui est en train de tuer certaines valeurs de chez nous, monsieur Gérard? Oui, je ne dirais pas que le social doit primer, mais le social existe quand même. Vous avez souvent la possibilité d'avoir un frère ou un sœur qui a fait la police et qui vous donne un coup de pouce, tout simplement au détriment d'autres personnes qui sont bien méritantes. Alors, c'est ce côté que j'ai surtout voulu faire savoir. Sinon, honnêtement, je pense que la valeur revient au mérite. Bon, mais ce n'est pas le mérite qui nous fait avoir tous les postes qu'on cherche souvent aussi. Hein. Il y a des coups de piston et tout, et ce n'est pas négligeable non plus. Voilà. Maintenant, moi, je n'ai pas tranché, hein, parce que d'habitude, je ne tranche pas les choses. Vous savez, je donne mon point de vue, je laisse le lecteur avoir sa propre grille de lecture, tirer ses propres conclusions. Mm-hmm. Bon, c'est peut-être un défaut chez moi, mais je pense que l'écrivain n'a pas la solution à tout. D'accord. Tout simplement. Alors, on a aussi, moi, j'ai découvert dans cet ouvrage la lenteur, surtout, dans... C'est-à-dire la police souvent a du mal à agir sur le champ. Vous imaginez les corps, en tout cas la disparition de notre Abdelkarim a été annoncée vers 21h, je pense, parce que c'est quelqu'un qui, en tout cas, avait une habitude, il venait tout le temps à la maison à 21h. Au-delà de cette heure-là, en tout cas, les gens s'impatientent, ce qui est de bonne guerre. Vers 22h, la police est informée du corps, mais de la disparition, mais c'est à 6h du matin que le corps d'Abdelkarim a été retrouvé. Le temps d'intervention de la police. Oui, la police est souvent lente, hein, parce que la police n'a pas tous les éléments d'information en sa possession pour pouvoir agir. Et parfois, c'est les moyens qui manquent. Dans d'autres romans, je l'ai dit, souvent il arrivait que le commissaire Tchegelen lui-même mette la main à la poche pour mettre du carburant dans son véhicule Opel. Donc la police n'a pas toujours les moyens. Mais on voit que les policiers, quand même, ils se débrouillent, ils se démènent tant bien que mal pour pouvoir mener les enquêtes. Mais heureusement, que dans les romans qui sont confiés à Marouf aussi bien qu'au commissaire Tchegelen, la police arrive toujours à arrêter les coupables. Peut-être je surestime trop la police, mais il serait bien quand même qu'il y ait des affaires classées sans suite. Voilà. Donc je donne quelques affaires qui sont classées sans suite, notamment l'affaire de l'incendie du serveur d'une structure d'État. Voilà. Donc il y a des cas comme ça, mais quand même la police est lente à agir, mais la police arrive toujours à ses fins, à arrêter les coupables. D'accord, les contraintes ne finissent pas, hein. Nous l'avons aussi vu que Marouf avait été contraint d'abandonner une enquête, c'était à la page 16 que vous le dites, hein. C'est souvent, nous avons l'impression que les autorités s'immiscent même dans les affaires qui concernent les tribunaux.
Ce problème est encore là. Oui, c'est là. C'est vrai que parfois il arrive que tout simplement vous ayez une décision de la hiérarchie pour abandonner une enquête. Sans suite. Sans suite parce que ça touche à quelqu'un qui est haut placé ou qui a quelqu'un de haut placé. Et l'affaire peut s'avérer épineuse à ce niveau et vous êtes obligé d'abandonner. Bon, je ne sais pas si dans la réalité ça existe, mais je sais quand même que la police mène des enquêtes et souvent ça n'aboutit pas. D'accord. Voilà. Ok. Alors, vous êtes un grand journaliste, monsieur Diarra, je l'ai dit. Pour preuve, vous nous parlez du traitement de l'information. Vous savez, aujourd'hui, nous sommes dans un monde globalisé, mondialisé, où vous aviez parlé surtout de l'importance des réseaux sociaux. Et nous savons très bien que la plupart de nos problèmes d'aujourd'hui, c'est effectivement lié à ça. Et vous parlez à la page 17, je vais retourner un peu en arrière. Vous dites que les réseaux sociaux étaient mis à profit pour la collecte, le traitement et la diffusion de l'information. Mais aujourd'hui, j'ai mon téléphone. J'ai quelques forfaits, je me transforme en journaliste. Est-ce que cela ne constitue pas aussi un danger pour la société quand tout le monde devient journaliste, bien qu'ils n'ont pas la formation? Oui, ça constitue quelque part un danger pour les professionnels qui se sentent menacés. Mais du coup, il y a la question aussi des droits à l'information. N'est pas journaliste qui veut, mais cela n'occulte pas la possibilité que les gens puissent diffuser des informations, mais à condition que ces informations puissent être recoupées, vérifiées et ne puissent pas être attentatoires dans certains cas à la vie privée des gens. Voilà, mais vous avez touché du doigt, c'est vraiment un écueil que des gens se transforment en journalistes sans avoir reçu la formation et utilisent des réseaux sociaux, sinon même les manipulent. Okay. Voilà, c'est ce qui fait que parfois il arrive que des informations soient diffusées, on ne sache pas si réellement elles ont été recoupées. On entre dans l'intox, l'infox, utilisez tous les mots que vous voulez. Donc, c'est pas une bonne chose. Moi, je n'apprécie pas, mais je pense que les réseaux sociaux doivent être utilisés à bon escient. D'accord. Parlons de la personnalité du personnage, Abdul Karim. Au-delà de toutes les pistes qui avaient en tout cas été annoncées, qui pouvaient constituer des motifs de son assassinat, est-ce que nous ne pouvons pas dire que Monsieur Abdul Karim, n'est-ce pas, a péri à cause de sa bonté, sa naïveté? Certainement, parce que vous ne pouvez pas prendre quelqu'un... Bon, en réalité, il y a des recoupements avec ma propre vie. Hein. Ce n'est pas moi qui suis dans le roman. Mais j'ai été naïf à un moment donné aussi. Je le dis aujourd'hui et tout le monde va être étonné que ça me soit arrivé. Allez-y. Une fois, je suis arrivé à Paris. On dit, Issa Falaba le dit dans un film, avec la petite fillette qui a volé l'arachide. Oui. Il dit, il faut se méfier de l'étranger, voilà. Un inconnu, il faut s'en méfier. Et moi, je ne m'en suis pas méfié. Donc, j'ai vu un type comme ça. Je lui ai demandé de me prendre un ticket de métro. Alors, il m'a demandé l'argent. Et moi, je lui ai donné 100 euros. Alors que je n'avais que 100 euros sur moi. Okay. Plus, 2 euros de plus. Hein. Le gars, il a tourné tout simplement pour aller chercher le ticket. Et puis, il n'est plus revenu. Donc, moi, j'étais arrêté là, sans sou ni rien, et je devais continuer mon trajet. Wow. Voilà, donc je me demande, mais comment est-ce que cela m'est arrivé, que quelqu'un qui écrive des romans policiers et tout, pense qu'il est à l'abri des surprises de ce genre, et cela m'est arrivé. Applaudissez pour le Diarra qu'il est, s'il vous plaît. Donc, il faut être un Diarra, en tout cas, pour pouvoir tomber dans ce piège-là. Tu as raison. Reconnaissez-le. Tu as raison. Donc, okay. Je me suis arrêté, je cherchais la solution, et finalement, c'est un autre qui arrive, il était à vélo. Je lui ai expliqué, il me dit, mais vous êtes fait avoir, simplement. Je lui ai dit, mais comment je vais avoir le ticket pour le métro? Il me dit, les 2 euros que vous avez, vous me les donnez, je vais chercher le ticket. Mais à condition que vous preniez mon vélo, vous restez avec, comme ça, si je ne reviens pas. J'ai vu qu'il était honnête déjà. Je lui ai remis les 2 euros. Alors, pour terminer sur ça, finalement, là où je devais aller, je suis arrivé à Égide, qui est une structure qui donne des bourses aux étudiants. Et là, ils m'ont remis 500 et quelques euros. C'est ce qui m'a sauvé. D'accord. Voilà.
Donc, pour revenir à la question, Abdul Karim a été naïf d'avoir pris des gens dans son véhicule qu'il ne connaissait pas. Qui se faisait passer pour les amis de son enfant. Tout à fait. Donc, c'est aussi une façon de dire qu'il faut... Est-ce qu'aujourd'hui, ce ne sont pas en tout cas quelques problèmes auxquels nous sommes confrontés dans les grandes villes. Je vous renvoie en tout cas à Ville Criel des Abotos aussi, où les villes constituent comme étant des véritables problèmes. Tout à fait, les villes tentaculaires, comme dirait l'autre. Mais c'est vrai, dans les villes, il y a beaucoup de situations de ce genre. C'est ce qui fait que même si vous cherchez un coin, vous arrivez à quelqu'un, vous le saluez, personne ne vous répond. Oui. Ça m'est arrivé plusieurs fois aussi. Je viens, je cherche à Mayamougou un coin, un guérisseur traditionnel. Je m'arrête, je dis bonjour monsieur, passe, ne me salue pas. Parce que tout le monde craint l'autre. C'est vrai. Et finalement, j'étais obligé de me rabattre sur des pompistes à la station toute proche, c'est eux qui m'ont indiqué le coin. Okay. Donc c'est aussi les aléas de la vie dans la grande ville que chacun se méfie de l'autre. Okay. Parce que nous tous, on vient de quelque part, on se retrouve, personne ne sait qui est qui. Voilà. Donc d'où la méfiance, cette suspicion. Tout à fait. Okay. Alors il y a beaucoup de thématiques, M. Diarra, que vous développez dans l'ouvrage. Hein, et vous parlez de les pluies diluviennes qui sont arrivées avec leur lot de conséquences. Vous parlez de la polygamie, parce que vous savez, quand ils ont les policiers, comme vous aimez le dire, les milliers ont tenu cette réunion où chacun devrait venir faire le point de la situation. Je pense à l'inspectrice Stadio qui est venue pour, en tout cas, après son intervention, on avait l'impression que c'était une pierre qu'on avait jetée dans une mare où il y avait des grenouilles. Tout le monde était abattu. Alors, il y a cette thématique-là, je l'ai beaucoup aimée. Vous parlez de cette question d'héritage aussi, dont il est question. Mais moi, j'aimerais bien qu'on revienne un peu sur les personnages Sidia. Surtout avec cette histoire de... qu'il a dénommé le visa pour le cimetière. Oui, histoire de visa pour le cimetière, c'est une histoire que j'ai lue dans l'Essor. D'accord. Voilà, et donc j'ai tout simplement transposé. Bon, bien évidemment, en affabulant et alors, tout. Alors, est-ce que nous pouvons dire que ce roman relève d'un fait réel? En partie. D'accord. Mais, comme je l'ai dit, chaque fois que je viens au bureau, si j'ai l'essor, la première des choses, c'est de regarder les faits divers. Ou je vais sur Malidiet, Maliweb, etc. Je vois les faits divers et je trouve toujours matière à ce niveau. Mais vous ne vous intéressez qu'aux faits divers finalement, alors que les gens pensent que s'intéresser aux faits divers, c'est une perte de temps. Bon, enfin, ça peut être une perte de temps, mais vous voyez là où les faits divers m'amènent. Ça peut être inédit, mais ça va aboutir à d'autres réalités que nous vivons réellement. Okay. C'est ce qui fait que le roman, à partir de là, peut être proche de la réalité. D'accord. Revenons-en au visa pour le cimetière. Voilà, visa pour le cimetière. Vous savez, il y a tellement d'intermédiaires qui pensent qu'ils peuvent nous aider à aller à l'extérieur. Surtout pour ceux qui veulent aller dans le cadre de l'immigration, je dirais clandestine, tous les termes que vous voulez. Donc, quelqu'un qui prend de l'argent avec les autres et qui leur donne un rendez-vous pour leur remettre un passeport avec le visa dedans. Mais en réalité, il va vadrouiller, il pense pouvoir convaincre les gens qu'il a des entrées dans des chancelleries occidentales alors qu'il n'en est rien. Alors, il fixe différents rendez-vous avec les gens et le dernier rendez-vous, c'est toujours un restaurant. Alors, il apporte à boire à la personne et c'est la boisson frelatée. Quand la personne boit, tout de suite, il trouve un alibi pour mettre fin à la conversation. Est-ce la qu'il serait en complicité avec les serveurs du restaurant en question ou c'est, non, c'est lui-même qui apporte. La boisson. Voilà, c'est lui-même qui apporte. Et donc, okay. Même s'il demande des verres, on lui met à disposition. Bon, la responsabilité de la structure restauratrice n'est pas engagée, mais tout simplement, il donne. Et puis, lorsque la conversation se termine, la personne rentre et décède brusquement. D'accord. Alors, lui, il a déjà pris les sous et voilà, ni vu ni su. Alors, généralement, en la matière aussi, les gens préfèrent rencontrer cette personne sans informer chez eux. Je vais à tel rendez-vous, à telle heure, avec tel type. Généralement, c'est ce qu'il faut faire. Mais lorsque vous passez incognito, oui, et que quelque chose vous arrive, alors comment remonter le fil? Okay. Voilà. Alors, je finirai par cette question avant de donner la parole, n'est-ce pas, à ce public qui est en tout cas sorti assister à participer, parce qu'ils vont le faire tout à l'heure, à cet échange-là. On parle des réseaux sociaux, vous l'avez dit. C'est grâce à la vidéo, n'est-ce pas, les vidéos caméras qui étaient installées ça et là, qui ont en tout cas permis
n'est-ce pas, au Compo, le Marif et à ses milliers de, en tout cas, d'appréhender les malfrats. Il y a des jeunes ici qui sont là, il y a d'autres aussi qui nous suivent sur Djulba TV News et d'autres qui nous écoutent aussi sur Djulba TV News et Djulba FM. Si vous avez un conseil à donner à la jeunesse aujourd'hui par rapport justement à l'utilisation des réseaux sociaux, quel sera ce conseil-là, monsieur Diarra? Enfin, c'est difficile de dire voilà comment il faut faire. Chacun vient avec l'utilisation des réseaux sociaux en ayant des objectifs. D'aucuns, c'est pour s'informer sur l'actualité. D'autres, c'est pour se tisser des relations. Voilà pourquoi on dit réseau social. Bon, mais quoi qu'il en soit, il faut prendre la chose avec des pincettes pour la simple raison qu'il y a toutes sortes d'informations qui y circulent. Il y a des vraies fausses informations, il y a des vraies informations et il y a le dénigrement, il y a tout. Mais au-delà de ça, il ne faut pas tout négativer, tout simplement. Les réseaux sociaux sont bons parce que ça permet de tisser des relations, ça permet d'informer les gens. Mais il faut tout simplement prendre l'information avec des pincettes, comme je l'ai dit, en réfléchissant, en analysant, voilà, entre autres. Mais ce n'est pas mauvais en soi. Okay. Bon, c'est vrai que l'influence des caméras de surveillance, malheureusement, je m'en suis inspiré avec l'assassinat du pharmacien. Et tout le monde est au courant de cette affaire, c'est les caméras de surveillance qui ont permis. Voilà. Et en Europe, il y a des grands magasins. Lorsque vous entrez, vous voyez directement vous-même avancer parce qu'il y a un grand téléviseur qui est là. Et donc, même si vous êtes animé de mauvaises intentions comme les Traoré pour prendre, shipper quelque chose, vous allez réfléchir par cinq d'abord avant de le faire. D'accord. Voilà. Donc, c'est pas mauvais d'utiliser les réseaux sociaux. Ok. Mais il faut y arriver avec tact, avec mesure, avec un sang-froid, avec un esprit de, voilà, d'analyse tout simplement. Très bien. Je pense que nous avons longuement échangé. Il y a des gens qui nous écoutent, évidemment, qu'on va aussi leur donner la parole afin de faire des contributions, s'ils en ont, mais aussi poser des questions et surtout essayer d'être un peu plus bref dans vos interventions. Merci. La parole est à vous. Oui, les intervenants, voilà, il y a qui va coordonner ça. Youssouf, tu es occupé? Tu prends le micro, s'il te plaît. Allez-y. Qui vous voulez? Vous donnez qui vous voulez. Voilà, vous avez la lourde responsabilité de poser. Bonsoir, l'assistance. Bonsoir. Vous pouvez noter avec moi. Tout le monde. Merci, M. Traoré, pour nous avoir donné l'occasion de faire partie de ce voyage littéraire ce soir. Et en rencontrant M. Diarra, que nous avons trouvé beaucoup avec modestie, et malheureusement, je n'ai pas eu la chance de parcourir le document, mais je pense que ce n'est qu'une partie remise. Et par ailleurs, je me présente, c'est Omar Abdelhadi Diko. Je suis consultant en sciences politiques. Donc, j'ai une petite question pour ne pas trop tarder. Je voudrais savoir comment se porte la bibliothèque sinon, avec l'avènement de nouvelles technologies de l'information aujourd'hui. Comment elle se porte? Alors, je vous remercie. Ok, Koulibaly, allez-y. Vous vous levez, vous présentez, vous posez la question, monsieur, s'il vous plaît. Ok. Bonjour tout le monde. Monsieur l'écrivain, je m'appelle Abassissé. Allez-y. Juriste de formation. Alors, monsieur Diarra, à travers votre livre, dans beaucoup de passages, vous magnifiez la fonction des policiers. Est-ce par là? C'est pour créer un climat social entre la population et les
forces de sécurité, vu que à un moment donné, il y avait eu un problème entre ces deux corps. Ça, c'est la première question. Ok. La deuxième question, il me semble que vous intervenez ou bien vous retracez le film, un film dans un livre, surtout dans certains trucs très sensibles, qui est un meurtre. Mais est-ce que vous n'avez pas eu de problème par rapport à cela? Parce que c'est des questions, c'est des enquêtes qui semblent vraiment sensibles. Je vous remercie et je vous dis que je suis vraiment content et j'ai beaucoup appris à travers votre exposé. Merci. Merci. Nous allons prendre trois intervenants et ils vont s'arrêter, malheureusement, Koulibaly. Allez-y, c'est vous qui voyez. Hein? Je ne vais pas porter ce chapeau-là ici aujourd'hui, mon frère. Non. Ok, merci, Chaka Koulibaly, de m'avoir donné le micro. Je suis Sidibé Adama, je suis écrivain membre du mouvement Gelma. Merci à M. Diarra pour sa présence parmi nous ce soir. Et merci à M. Traoré pour la qualité de la modération. J'avoue que M. Diarra est un grand homme. Je peux le comparer à Nelson Mandela. C'est un grand homme. Je vous souhaite longue vie. Vous avez fait beaucoup de publications. Après Terre d'Espérance, Mystère du Tournant, Meurtre sous le pont des indigents, vous avez écrit La fille adoptive du shérif. Donc, j'ai trois questions. Ma première question, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous attache au genre romanesque, notamment le roman policier? S'il y a quelque chose qui vous attache au genre romanesque, notamment le genre policier, le roman policier. S'il vous plaît, limitez-vous à des questions, s'il vous plaît. Ok, je vais très, très rapidement. Si oui, pourquoi? Donc, ma deuxième question, les écrits de M. Diarra parlent de la société malienne. Alors, en cette période particulière, est-ce que vous avez un message pour le peuple malien? Je vous remercie. Ok. Bonsoir tout le monde. Monsieur Touré Modibo, lecteur et écrivain. Je vois Monsieur Mohamed Diarra comme un homme exceptionnel de par sa générosité et sa philanthropie. Tu rencontres le monsieur directement, c'est sa générosité et son humanisme qui te frappe. Je dis et je le répète ce soir, nous sommes tous des écrivains, mais il y a aussi l'écrivain des écrivains. Et Mohamed Diarra est l'écrivain des écrivains. Donc, ce livre, il me l'a offert. À ma grande surprise, il m'a appelé sur mon téléphone, il m'a dit « J'ai un exemplaire pour toi ». Je l'ai reçu. Le même jour, j'ai commencé la lecture, j'ai avalé la moitié et le deuxième jour, j'en ai fini. J'ai terminé. J'ai pris une photo de ce livre avec moi, en train de le lire, et je l'ai mis sur ma page Facebook. J'ai recommandé aux gens de le lire. Donc, en fait, M. Diarra, moi, j'ai prié, après avoir terminé la lecture de ce livre. J'ai dit, si ce livre-là pouvait être l'auxiliaire de la Bible et du Coran dans les commissariats de police et dans les administrations de police, ça pouvait être une grande chance pour nous, la population malienne. Parce que dans ce livre, on voit l'image, une autre image de la police intellectuelle, la police qui est douée dans l'informatique, la police qui respecte les citoyens et surtout un commissaire qui compatit, qui s'apitoie sur le sort des victimes juste en regardant les anciennes images. Je veux parler du cas de l'histoire que vous avez intitulée L'amour sacrifié, d'une femme qui a couper la partie intime de son mari et
Ça a tellement affecté la maman de la victime qu'elle en est décédée quelques jours après. Et aussi le cas du jeune homme qui a été étranglé avec la chaîne des motos. Et aussi l'homme qui a été tué par les prostituées étant poignardé. J'ai rarement vu des policiers comme ça, des policiers qui s'apitoient sur le sort des victimes. Je vous dis, moi j'ai classé les policiers en trois catégories. Moi c'est mon propre classement, ça n'engage que moi. Je classe les policiers en trois catégories. Il y a la première catégorie qui sont des citoyens qui ont été charmés par les métiers de policiers et qui ont eu la chance de devenir policiers par la suite. Ça, ce sont des bons policiers. La deuxième catégorie de policiers, ce sont des policiers intellectuels. Ils ont terminé avec les études, ils n'ont pas eu d'emploi. Donc, ils ont eu l'occasion d'adhérer à la police, ils sont devenus policiers. Ce sont des policiers qui cherchent de l'argent dans les métiers de police. Donc, ce sont les policiers affairmants. La troisième catégorie de policiers que j'ai classée, qui boucle le classement, ça ce sont des gens qui n'ont pas été à l'école, qui n'ont pas aimé les métiers, mais qui ont été ramassés dans les poubelles pour faire partie de la police. Ce sont les têtes brûlées. Ce sont eux qui insultent les mamans des gens dans les circulations et sur les réseaux sociaux. Donc, monsieur Diarra, moi, je suis étonné. Et en écrivant ce livre-là, est-ce que vous ne dédouanez pas un peu la police malienne? Parce que quand tu nous parles de policiers, en tout cas moi je suis, je ne dirais pas un policier phobe, hein? Il faut comprendre le néologisme. Mais moi j'apprécie très rarement les policiers, ce ne sont pas mes amis. Merci. Ok, merci. Merci à Boudibo. Rapidement, Koulibaly, un dernier intervenant, on va arrêter. Voilà, monsieur Koulibaly, monsieur Diarra va avoir un dernier intervenant. Un dernier, je suis désolé. Youssouf, oui. C'est toi qui interviens. Apparemment. Ben, allez-y. Ok. Bonsoir, monsieur Diarra. Bonsoir, Youssouf. Moi, je suis un grand fan de vos livres. Hein. Le merci, dernier, le précédent, Mettre sous le pont des indigents. Je l'ai lu et j'ai même écrit des articles là-dessus. Moi, ma question, elle est assez simple. Au fait, quand nous prenons vos livres, hormis peut-être le premier, voilà, sinon la fille adoptive du shérif, Mettre sous le pont des indigents, et Un corps dans un lit de marigot. On a toujours comme l'impression que les titres nous renvoient directement au contenu du polar, le roman policier, bien sûr. Qu'est-ce qui vous motive à faire cela? Est-ce que donner tout de suite un aperçu du contenu à travers les titres? Pourquoi ces choix? Merci. Passez la parole à ce monsieur rapidement, on va arrêter. Voilà, il a demandé. Bon, avant qu'on nous donne la parole, je la prends. Soyez succinct. Oui, je vais être bref. Okay. Je me passe des commentaires. D'accord. Et je vais intervenir au niveau de deux points, le fond et la forme. Okay. Et pour le fond, ça concerne surtout le motif de l'assassinat d'Abdoul Karim. Vous avez dit que ce n'est pas une raison valable, mais je dirais que en longueur de journée, il y a des gens qui se font assassiner à cause d'une moto de Jakarta qui ne dépasse même pas les 100 000 francs. Pour les riens, donc, quoi. C'est une raison valable, mais c'est aussi une manière de dire aux uns et aux autres que le fait de tuer les gens aujourd'hui, on n'a pas besoin d'une raison valable pour ça. Et pour l'héritage, ce n'est pas une question simple également. L'héritage est à la base de la destruction de plusieurs familles aujourd'hui. Maintenant, pour toujours le fond, dernier élément du fond, c'est la fin des polars de l'auteur. Et je crois qu'il a reconnu, il dit que peut-être c'est un défaut, le fait d'arrêter seulement les coupables, mais le lecteur ne connaît pas la suite. Lorsque j'ai lu le manuscrit du livre, j'ai fermé mon ordinateur d'abord avant de faire le commentaire. Donc, il y avait une déception qui est là, même après la lecture du livre « Mettre sous le pont des indigents ». Et l'auteur, vous reconnaissez que c'est peut-être un défaut de votre part. Si c'est un défaut, pourquoi ne pas le corriger? Une question. Pour la forme également, c'est suite à cela. Est-ce que vous vous inscrivez dans la forme classique du polar
ou bien dans le renouvellement. Parce qu'aujourd'hui, le genre évolue. Et si le genre évolue, il faut impérativement ajouter des éléments qui sont nouveaux. Alors, inscrivez-vous dans la forme classique du polar ou bien dans le renouvellement. Merci. Okay. Bonsoir à tout le monde. Moi, c'est Boire Moussa, journaliste écrivain. Alors, M. Diarra, une question. Comment, quand on sait que vous êtes enseignant-chercheur, vous faites des écrits scientifiques, l'écriture scientifique en tant que docteur, et aussi en tant qu'enseignant, vous préparez les cours. Et au-delà de ça, l'écriture littéraire. La question, c'est de savoir comment vous arrivez à gérer ces choses-là à la fois, quand on sait que vous avez pu écrire en 2 mois 3 livres. Je vous remercie. Ok. Merci infiniment à vous. Voilà. Monsieur Diarra, il ne reste plus assez de temps. Alors, vous aurez 5 bonnes minutes pour répondre à toutes ces questions, Monsieur Diarra. Ok, rapidement. Merci pour toutes les questions. Hein. Ça montre l'intérêt de la chose. Voilà, donc quand j'écrivais le roman, je ne m'attendais pas à toutes ces questions. Raison pour laquelle beaucoup de choses m'ont échappé. Et c'est le lieu de me les rappeler et j'en prendrai compte pour ce qui concerne les critiques, les suggestions. Alors la question de Dico, comment se porte la bibliothèque avec l'avènement des technologies de l'information? C'est vrai que la question se pose toujours, comment se porte le livre vis-à-vis du téléphone, de l'ordinateur, etc. Est-ce que le livre est appelé à disparaître avec les nouvelles formes? Donc on dira que tout simplement l'écriture elle-même va revêtir une autre forme. Bon, maintenant, c'est vrai que les gens ne vont pas à la bibliothèque assez souvent hein, avec la technologie. Vous avez votre téléphone, vous êtes connecté, vous avez tout. Alors, vous prenez un livre pour le lire, vous pensez que c'est une perte de temps. Alors, donc, la bibliothèque, mais heureusement que la bibliothèque elle-même est en train d'intégrer les technologies de l'information et de la communication en vue de sa propre promotion. Donc, on peut dire beaucoup de choses là-dessus parce que je suis bibliothécaire. Bon, mais comme le temps manque, je m'en arrête là pour le moment. Si c'est fonction des policiers, magnifier climat social entre population, c'est vrai. La police, je la magnifie, je pense que c'est comme ça que la police doit être. Mais la police n'est pas comme ça. Moi-même, j'en ai été victime plusieurs fois. D'ailleurs, quand je venais, c'est ce que je disais à mon collègue Boiré, que souvent, on fait tout au lieu de procéder par la pédagogie, c'est plutôt la répression. Vous êtes en train de téléphoner au volant, comme ce matin, je l'ai vu. Le policier, il vient, au feu, il s'arrête devant votre véhicule. Tout simplement pour vous dire 1000 francs ou mettez le véhicule de l'autre côté parce que vous êtes en infraction. Donc, beaucoup plus prompt à sanctionner plutôt qu'à jouer le rôle de pédagogie à expliquer les choses. Moi, ça m'est arrivé quand ils m'ont pris. C'est un douanier qui m'a pris. J'ai dit, est-ce que la douane aussi prend les gens qui sont à moto? Ah, nous, on vous prend pour vous donner aux policiers. Et le policier me dit, mais d'accord, donnez-moi l'argent qui ne vous dérange pas. C'est fait à Cathy. Hein. Comme il m'a demandé de l'argent, j'ai dit, j'ai pas d'argent. Il dit, eh, regarde, dis, fais minter, retro. Bon, donc, si c'est comme ça, il faut donner les sous. Mais au-delà de ça, ça, c'est des brebis galeuses. Hein, pour revenir encore chez à Touré, il y a des bons policiers. Et c'est eux que je suis en train de promouvoir dans les textes, même si les brebis galeuses, ça existe aussi. Et une fois, on m'a appris, quand j'ai dit, j'ai pas d'argent, on dit, eh, t'as comme ta fourrière, là, entre ton dame, entre ton dame. Bon, finalement, j'ai dit, j'ai pas d'argent, mais comme les discussions ont tellement achoppé, finalement, il m'a demandé, mais quel est le métier que vous faites? J'ai fait sortir ma pièce d'identité. Enseignant, t'as comme ta gata. Pour dire que les enseignants ne donnent jamais rien aux policiers. Bon, ça se comprend. Nous, on pense que c'est nous qui les avons formés. Okay. Donc, ils sont nos étudiants, nos élèves. Et on ne peut pas leur donner de l'argent aussi. Monsieur Diarra, on n'aura pas appris à être corrompu. Il vous reste 2 minutes. Rapidement, okay, M. Diarra. Rapidement. Donc, film dans le livre. Bon, c'est vrai, il faut... je ne caricature pas trop la police. Hein. J'ai des amis policiers, j'ai des frères qui sont de la police. Donc, j'ai beaucoup d'estime pour ces gens-là. Film dans le livre Meurtre, problème. J'ai pas rencontré de problème en décrivant des meurtres, hein. Même si c'est un sujet ultra sensible. Parce que souvent il arrive que vous ayez mis sur la scène des meurtres et vous allez trouver que d'autres ont vécu les mêmes situations. Voilà. Bon, j'ai des exemples à ce sujet, mais comme le temps manque aussi,
Sidibé, attachement au roman policier, pourquoi? C'est vrai, le roman policier, je l'ai senti comme une dette morale vis-à-vis de l'ancien rédacteur en chef du journal Kabako, paix à son âme, qui est décédé. À l'époque, comme je l'ai dit, je faisais sortir des nouvelles policières dans le journal Kabako et il m'a toujours dit que c'est apprécié des gens. Mais un beau jour, il me recommande de reprendre l'animation de ce desk et on s'est promis, mais après, il est décédé dans un accident de la circulation. Alors je me suis dit, pourquoi ne pas transcender la nouvelle policière, aller vers le roman pour honorer sa mémoire. Voilà pourquoi le premier roman lui a été dédié à sa mémoire. Bien, j'aime tout simplement les enquêtes policières, pour répondre à Sylvie. Message pour le peuple malien. Ah, c'est là où le bas blesse chez moi. J'ai toujours dit que j'écris pour mon propre plaisir, je n'ai pas de message spécifique. Il appartient au lecteur d'identifier le message qu'il voudra identifier. Okay. Bon, c'est dur à avaler, hein, mais c'est comme ça que c'est votre vérité. Voilà. Moribo Touré, police sous de bons auspices. C'est vrai, je peins la police sous de bons auspices, même si la police n'est pas toujours comme ça. C'est un choix aussi que l'auteur fait. Youssouf, tout titre reflet du polar. Ça me renvoie à un ami Bekri, journaliste. Effectivement, vous avez raison. Le premier meurtre sous le pont des Indiens. Le premier roman qui est sorti en 2015. Voilà, le mystère du tournant, il m'a dit que le titre n'est pas bien choisi. Et que s'il y avait à refaire, il allait opter pour un titre qui colle bien à la chose. Qu'en lisant le titre, on sache directement que c'est le polar. Et désormais, je suis allé dans ce sens. C'est la raison pour laquelle, en prenant le titre, on sait désormais que c'est des enquêtes dont il va être question. Défaut suite des romans. C'est vrai, Chaka a raison que souvent, le lecteur reste sur sa fin. Je ne tranche pas, je pose des problèmes, il n'y a pas de suite. Non, peut-être que la suite viendra un jour. D'accord. En ce sens que vous avez remarqué, je ne transpose pas les actions devant la justice. Je m'arrête tout simplement à l'arrestation des coupables. Forme classique, la forme classique, les deux sont mêlés ici parce qu'il y a l'interrogatoire quand même qui relève de la forme classique. Mais l'utilisation des technologies de l'information, ça c'est du nouveau déjà. Ok. Alors, dernière question, rapidement. Dernière question, c'est Boiré. Comment concilier l'écriture sous les trois temps? Littérature, enseignement et l'écriture scientifique. C'est vrai, l'écriture scientifique a tendance à être reléguée au second plan, c'est ce que je regrette. Je n'ai écrit que trois articles scientifiques depuis, et c'est la littérature qui prend le pas. Et il va falloir corriger ça, puisque la littérature ne me fait pas avancer en grade. Très bien. Voilà, merci. Okay. Merci, nous vous remercions. Hein. Vraiment, le débat il est très intéressant, mais voilà, nous sommes désolés. Nous sommes vraiment navrés d'arrêter le trajet. Nous ne sommes pas arrivés, en tout cas, à destination, mais nous osons croire que le trajet va se poursuivre, hein, tout à l'heure en bas, au cours d'un cocktail. Monsieur Diarra, nous avions été très heureux de vous recevoir à bord de notre train. J'aimerais que vous regardiez cette caméra et que vous dites deux mots à l'endroit du public. Je voudrais en profiter pour remercier les organisateurs d'abord, ensuite remercier ce public qui a fait le déplacement et qui m'a posé beaucoup de questions. Lesquelles questions auront bien évidemment leur réponse plus ou moins dans d'autres romans. Alors sur ce, je vous remercie et remercie aussi Oumar d'avoir animé le débat. D'accord. Merci. C'est donc à nous de vous remercier. Nous avions été très heureux hein, de vous l'avoir. Ce n'est pas tous les jours qu'on a Mohamed Diarra à bord d'un train. Ce fut un agréable plaisir. Nous osons croire que nous avons fait un excellent voyage en votre compagnie. Et voilà, j'étais à bord de ce train. Il y avait des convoyeurs, il y avait des cheminots tout autour du train que vous ne voyez pas. Voilà, les gens qui sont dévoués à la tâche, les caméramans, les cadreurs. Je les remercie infiniment et nous vous donnons rendez-vous sur Djoliba TV News et Djoliba FM dans un autre train littéraire. D'ici là, portez-vous bien. Le cocktail, c'est tout à l'heure et c'est en bas. Merci.